now joined by defender Garvin Matusla. We'll start off in the room. Any questions in the room? Hi, Garvin. Defending against, you know, a team like this that's constantly sending several waves of attack psychologically, how do you guys deal with that? And then, you know, after the first goal, how do you guys keep your composure and not let it maybe open the floodgates? You ready to be answering in French or English? So we knew in the locker room at halftime we spoke, we said, especially with the break, we knew that they were going to come hard and faster in the second half. So we had to defend, and we knew that we were going to do a lot of defending, so it was just a mental game. And even when we conceded the first goal, we spoke a little bit on the field, and just to calm the heads, and everything went well after that. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans ce 2 heures presque d'attente dans un vestiaire comme ça? Comment vous passez le temps et comment vous restez concentré pour la suite du match? Ouais, ben ça dépend, tout le monde a sa routine. Donc moi je préfère, je mets un peu de chaleur, genre on a des heat packs que je mets sur les muscles pour pas qu'ils restent trop froids. Il y en a qui feront des élastiques, donc chacun a sa routine, on essaie de rester un peu actif. Surtout quand on ne sait pas qu'on va recommencer. Il y en a qui disent au début c'était 30 minutes, après ça a passé une heure et demie à peu près. Donc chacun a sa petite routine avec le petit physio et après c'est ça, on remarque sur le terrain, on n'a pas le choix de travailler après. Ça fait plaisir de remporter ce match-là, ces années, ça fait extrêmement plaisir après 3 ans. Moi depuis que je suis arrivé à Forge en 2021, on a joué contre Montréal à chaque année, on a perdu en penalty après 3-0, 2-0. Donc on fait revenir à la maison, jouer contre mon club formateur, j'étais à l'académie. Donc ça fait du bien, enfin, de passer au prochain round et débattre. Ce soir, il y avait quand même une drôle d'ambiance dans le stade. C'était comment pour toi de jouer dans cette ambiance-là où les partisans n'étaient pas présents au début, puis tu sais, tout ce qui s'est passé aussi avec la météo et tout ça? Ouais, c'était un peu bizarre, ça fait différent, surtout avec qu'est-ce qui se passe avec le club. J'avoue, j'ai quand même un sentiment d'appartenance avec ce club, donc la situation fait un peu mal. Mais je sais que les gars vont rebondir, puis ils vont essayer de rendre la ville fière. Comment se voit la suite des choses pour vous? Ouais, c'est trop chaud. On avait joué contre eux il y a 2 ans. On a fait une bonne performance, on avait perdu en pénalty malheureusement. Mais j'espère qu'on va faire qu'est-ce qu'on a fait comme on a fait contre Montréal. Donc même si on essaie de faire le mieux possible contre les équipes MLS. Donc on a plusieurs joueurs qui ont des choses à prouver. Donc on espère ressortir avec cette victoire, moi surtout qui est Montréalais, donc une victoire contre Toronto, ça ferait du bien. Quel était le plan de match? Qu'est-ce que t'en dis, Bobby et Kit, pour préparer le match? Sur quoi il fallait insister et bien faire pour battre Montréal? Ouais, donc on savait qu'ils jouaient haut, ils avaient une ligne de défense très haute, et on a des joueurs assez rapides en contre-attaque, donc c'était ça le but, c'était au début du match, jouer à l'arrière, derrière leur défense, et ça a payé, on a marqué 2 buts rapidement. Et après ça change la donne parce qu'on savait qu'il devait marquer 3 buts. Donc en deuxième mi-temps, c'est là qu'on savait qu'on allait plus défendre. Et on a tous bien défendu en groupe pour passer au prochain tour. Quelles expériences que vous avez eues en CACAF notamment vous permettre d'aborder ces matchs-là, je dirais, yeux dans les yeux avec l'équipe MLS? Ça nous aide énormément parce qu'on est habitué, c'est à peu près la même chose. Donc depuis que je suis arrivé en club, on a toujours été en CONCACAF. Donc les matchs compliqués comme ça, on sait comment, dans les moments stressants, on sait comment gérer. Donc contrairement à d'autres équipes qui n'ont pas participé, qui n'ont pas la même expérience que nous. Donc nous on sait que dans ces moments-là on peut bien gérer et c'est ce qu'on a montré aujourd'hui encore. À quel point le résultat que Montréal a fait à Toronto en fin de semaine vous a encouragé en faisant croire qu'il était un adversaire prenant pour vous ce soir? Oui, ça nous a juste donné encore plus de confiance parce qu'on savait que peut-être le moral allait être un peu plus bas. Donc nous on savait que dès le début de match ça allait être là qu'il allait falloir capitaliser. Donc heureusement on l'a fait. Parce qu'après la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus dur, ils sont venus beaucoup plus forts. Mais c'est ça, on savait que dès le début de match, il fallait sortir très fort. Vous ne perdez pas le match sur la double confrontation. Tu l'as dit, depuis 2021, vous étiez éliminé par Montréal. Ouais. Ce double résultat, à quel point ça parle du développement de la Ligue et de Forge en particulier? Oui, mais ça montre qu'il y a de la qualité. La Ligue, elle a été créée il y a 5 ans maintenant. Mais ça montre qu'il y a de la qualité, surtout à Forge, on sait que... On a beaucoup de qualités, beaucoup de joueurs qui pourraient peut-être jouer en MLS ou peut-être plus haut. Donc encore une fois, aujourd'hui, on a prouvé parce que quand on joue contre Montréal, c'est toujours des bons matchs. Ou quand on joue contre des oppositions, que ce soit en CONCACAF, les équipes de Liga MX, il y a plusieurs joueurs qui montrent qu'on peut jouer à ce niveau-là. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir un résultat contre une équipe MLS. Well, there we go now. Alex, last question goes to you. Go ahead.
Congrats, Garvin, on the big win. Just kind of curious, you guys have played in big games before. You mentioned earlier the CONCACAF, you know, Chivas, Cruz Azul, Montreal multiple times. You guys have always stuck to your identity, your football, and you did that today. What does that kind of say about the club and your guys' mentality to stick with that and win while playing on the front foot against an MLS side? Yeah, that just shows that we're never going to change the way we play no matter the opponent. So even if we play against a side that we'll say is supposed to be better, we're not going to change the way we play. We're going to stick to our identity and show them that we, as well, even if we're in the CPL, we know we can't play. Thanks, Greg. Thanks, everybody.